Bonjour à toutes et à tous, c'est MV44. On va se calmer quand même, je sais que c'est Mario Galaxy 2, que tout le monde est content. Je sais plus c'est quel fichier, si c'est... Non, c'est quand même, on n'a pas 111 étoiles déjà. Sinon le let's play aura un petit peu avancé très vite. Donc on va aujourd'hui un petit peu pour se détendre, se relaxer sur Mario Galaxy 2, voilà, en personne. Ah bordel. Sur Mario Galaxy 2 en personne. Voilà, pour un petit peu, voilà, s'apaiser. 5 vies, bah merci, écoute, allez, à la prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait? Ah oui, alors dans cette vidéo, on va sûrement débloquer les étoiles comètes. Elles vont sûrement bientôt arriver. Je crois que c'est au début du monde 3 qu'elles arrivent. Hein, dans mes brefs souvenirs. Alors là, et j'ai bien envie de faire le trou sans fin, la deuxième étoile qui est assez drôle, vous allez voir. Dans l'époque, ça ne nous avait pas fait rire du tout. Non, c'était la comète. Surtout la comète. C'était la comète. Surtout la comète. Glissade sylvestre. On est parti. Donc ouais, c'est assez drôle parce que vous êtes dans un toboggan, ça fait depuis hyper longtemps que j'ai pas fait ce niveau et j'ai vraiment envie de me détendre dessus. Voilà. Pour rappel, juste pour info, on a acheté Mario Galaxy 2 sur Wii U, donc là on joue sur la version Wii U. Non, c'est bien sûr pas. Ça oui, je trouve que normalement, ceux qui avaient Galaxy 2 en boîte comme ça, ils devraient les avoir sur la version Wii. Mais bon, d'un autre côté c'est pas vraiment possible parce que sinon, Mettons, une personne ne l'a pas, ouais, non, en fait, c'est con ce que je dis, parce que, ouais. Il suffit juste dans ce cas que vous passiez le jeu à quelqu'un, et cette personne pourra l'avoir gratos, quoi, donc non, oubliez ce que j'ai dit. Mais c'est quand même dommage, hein, c'est dommage parce que, ouais. On est en train de grandir, en fait. Je ramasse un petit peu de fric. J'ai le droit, non? Non, j'ai pas le droit? Non. Oui, parce qu'il faut quand même ramasser un minimum de fragments d'étoiles, parce que sinon on va être dans la merde pour les goinfres luma. Parce que nous, je me souviens qu'à l'époque, quand on faisait le jeu, on était jamais dans la merde, vu le temps qu'on passait sur les niveaux, vu qu'à chaque fois on était bloqué, du coup à la fin on était à 900, je crois que ça se bloque à 6, c'est oui, ça, 999, à chaque fois on était bloqué à 999, mais là du coup non, faut éviter. Alors notez que si vous donnez, si vous finissez donc les fragments d'étoiles, si vous arrivez au max, au compteur max, alors... Pas sur les niveaux, mais sur le vaisseau, c'est-à-dire à force à chaque fois ça se cumule. Et bah si vous arrivez au max, vous débloquez donc non. Je sais plus comment ça fonctionne. C'est, je crois que t'as la galaxie des Vertos, faut avoir le max, mais ça je sais pas si c'est vrai. Nous je me souviens qu'on n'avait pas, mais enfin bon, on verra. Et si vous avez le max de pièces, eh bien vous débloquez tous les fantômes de Luigi. Voilà. Es-tu prêt, Sacha? C'est parti. Oh, c'est bizarre comment t'es rentré dedans. C'est assez bizarre. Bon alors juste explique le machin, je sais c'est bizarre comment il est Mario de toujours. Ah ouais, attends, juste. Tu te rappelles de ça? Je peux les bloquer et puis après toi tu passes sans problème. Ouais, va que souvenir. Alors autant je vous dire. Il y a un passage, on n'arrêtait pas de mourir à la fin. Oui, alors si vous faites toucher, c'est. Ça c'est la merde, voilà. Bordel. Si vous faites toucher, donc oui. Non, ça c'est pas grave en soi, mais les Wigglers en fait ils vous projettent et du Wiggle. Coup. La well. Alors un petit secret, une vie là-haut. Voilà. C'est pas vraiment sûr, par contre faut vite. Ouais, vite revenir en pole position. Faut vite baquer, comme on dit dans les milieux autorisés. Voilà, un petit niveau sympathique pour commencer la vidéo, c'est la fête. Je crois que même dans les milieux pas autorisés, on peut le dire. Oui. Alors là, petit passage. Ok, si tu veux. un petit passage dur, mais le passage le plus dur reste celui-ci. Parce que il faut anticiper les Wiggler. En fait, c'est vraiment vraiment de la merde. D'accord, en fait, c'est pas du tout dur, je sais pas comment dire. Et je me souviens qu'une fois on était mort là. Parce qu'en fait, si vous allez, je vous explique, si vous allez sur la plateforme, alors sur le vert qui est là, vous mourrez. Et oui, alors là, vous êtes. Oui. Mais si vous passez là, vous mourrez. D'ailleurs, je vais vous montrer si vous voulez. Non, je vais pas vous montrer. Mais d'un côté, c'est pas vrai. De quoi? D'un côté, c'est pas vrai. Ah, mais si. Il y a une vie. Mais ah, caméra de merde! Bah, dis donc. Non, ouais. Non, tu meurs pas, c'est absolument faux. Je vais tester. Je te reviens, si on meurt à cause de toi, c'est de ta faute. Mais c'est pas possible, on peut pas mourir. Je t'avais dit. Je l'avais prévenu, mesdames et messieurs, vous. Mais non, mais moi j'ai cru que tu vois, on passait à travers. Mais non, mais je savais qu'on mourrait, mais pourquoi tu. On voit les Wigglers là. Et même là-bas, ça que je trouve magnifique dans ce jeu, c'est que là c'est une galaxie de l'autre niveau. Et ils le mettent quand même. T'as intérêt à me la donner, hein. Nous avons toujours. Mais c'est qui le donne à lui? C'est lui. C'est des Poco, je crois, ou un truc comme ouais, ça. C'est des Poco. Et c'est pas nous qui le disons, hein. Il s'appelle vraiment comme ça. C'est des Poco. Poco Rantas.
Mais en tout cas, je peux vous dire que à l'époque, ce mode multijoueur, à l'époque, c'était en 2010, hein, faut pas non plus exagérer, mais ce mode multi nous amusait autant que quand on joue aujourd'hui à 3D World, et oui. Comme ça, moi, quand je rageais, je disais que c'était de la faute de Sacha, et Sacha pleurait, c'était vraiment convivial. Alors que maintenant, sur 3D World, si je fais de la merde, je peux pas dire que c'est de la faute de Sacha. Que là, je peux dire que c'est la faute de Sacha parce qu'il m'aide pas assez. Ah, nouvelle amitié. Eh bien, voilà, copo. Oh, mais c'est vraiment des copos. Je crois qu'il veut te parler de Ménèque Comète. Oh, non, ta gueule, copo. Ah, Luigi, oui, c'est vrai que lui aussi il arrive là. Salut. Alors, notez. Attends, là. Ah non, c'est pas là que ça fait. Non. Alors, à noter que quand vous finissez le jeu, alors je sais plus si c'est quand vous l'avez fini à 100%. Non, c'est pas quand vous l'avez fini à 100%, je crois. Non, quand. Pour les étoiles vertes, enfin, je sais plus. En tout cas, ici, alors attention spoil, ici il y a une maison qui s'ouvre et il y a tout simplement le truc qui permet de changer de Luigi et Mario. Alors, petite anecdote, on a passé des années à essayer de chercher sur le vaisseau comment on faisait pour changer Mario et Luigi. Fin de l'anecdote. On a jamais trouvé. Oui, parce qu'on comprenait pas. Non, d'abord il faut aller en bas. 28. Il faut aller en bas. Ah, oh, bah ça y est, on peut finir la galaxie. Non, on va en bas. Écoute, on y va. On finit ça. Le moulin à nuages. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là-dessus? On a ramassé l'étoile cachée, c'est ça. Oui, d'ailleurs, on avait un petit peu galéré. Donc, on est reparti sur nuage avant. C'est très moche, bah dis donc. Non, c'est pas moche, mais quand même là, ils auraient pu faire plus beau l'esthétique. Je dois... Ce niveau, je l'aime bien, mais... Ah bah, Luigi, tiens. Voilà, et bah tiens, bah oui. En fait, alors ce qui est drôle avec Luigi, c'est qu'il vole. Ouais. Attends, écoutez le petit truc dans le morceau de Coupoy. Voilà. Voilà, alors ce qui est drôle avec Luigi, c'est qu'il vole. Donc, non, il vole pas, mais regardez en fait comment c'est abusé, comment il saute haut. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est pareil, il est sur longueur. Et pareil, quand il fait un triple saut, regardez ce qu'il fait. Ah putain, je me suis. Ah merde, j'arrive pas. Voilà. Donc voilà, bon, c'est juste un petit anecdote. Champion d'énergie. Voilà. Champion d'énergie. Où ça? Ah, il est plus. Ah oui, il est là-bas, oui. Donc voilà, vous voyez, je sais pas si vous. Enfin, c'est vrai que quand vous avez la manette, vous vous en rendez immédiatement compte. Essayez d'aller à l'étoile cachée. Regardez, j'ai même pas besoin. Attends, essayez d'aller à l'étoile cachée. Non, on va. Non, ça doit être faisable, non? Où est-ce qu'elle est? Oh, ça doit être faisable. Oui, mais bon, après il doit. Et donc bon, enfin voilà. Mais... Oh, la pop, hop. Là, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une. Enfin, le reste du niveau, c'est à part lui un peu. Mais c'est fou, il vole le mec. Regardez, j'ai même pas besoin de prendre les nuits. Ah non, attendez, mais non, parce qu'il faut vous montrer le truc qui est drôle. Non, je crois qu'on vous l'avait montré plus lors de la dernière vidéo, parce que ça prend les nuages. Fail. Ah merde, on a pas eu les petits applaudissements. Là, attendez, juste je retourne là, parce que je vais vous montrer un petit truc que je connais, voilà. Je sais plus si je vous l'ai montré lors du dernier niveau, donc vu que c'est absolument à voir. Vu que c'est vraiment le. Non, t'as encore oublié. Quoi, qu'est-ce que j'ai oublié? D'ailleurs, vous êtes même pas obligé avec Luigi, je pense que vous pouvez carrément tenter. Et ouais, c'est fou. Hein. J'ai même pas pris le checkpoint, donc j'espère que je vais pas crever. Allez, un petit défi, t'es prêt, Sacha? On est parti. Attends. Oh non! Vas-y, par contre, aide-moi. Non. Si tu peux. Ah bah non, de toute façon, tu peux pas vraiment les tuer. Je peux les étourdir. Wouah! Mais putain, j'ai pas. Crève! Non! Putain! Là, tu vas avoir besoin de nuages. Là, oui. Donc là, une vie en dessous d'ailleurs. Ça, je m'en souvenais. Oh, j'ai peur. J'ai peur parce que j'ai cru que j'allais me prendre le truc dans la gueule. On va prendre là quand même. Ah oui, non, je m'en fous de la vie. Moi, c'est juste le fait de. En fait, on se demande, mais. Je sais pas, nous à l'époque, le champion d'énergie, on l'aurait directement pris. La vie, on l'aurait pris, tu vois. Mais là, en fait, on s'en fout. Hein. Au pire, c'est pas très grave. La preuve, là, le bouquet, là, tout à l'heure, il a pas fait de checkpoint. Bon, là il le prend parce que. Oui, bah c'est sur ma voix et j'ai pas trop le choix. Et puis bon, si on crève, on aura un petit peu le. La haine, on va dire. Attends, y'a pas plein de vie là-bas, non? Non, si, c'est plus sommage, je crois.
Ouais, c'est bien sûr ça, ouais, c'est plus lent. Ah oui, à chaque fois tu... Attends, merde, je sais plus où je suis, là, par contre. Non, là, là, normalement, c'est bon. Oh, oh là 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 là. Ah oui, c'est là. C'est là que t'as plein de vie. Bon, on va y aller. Faut plein de vie, il y en a combien? Ah oui, 3, oui. C'est un petit secret. Mais chut, c'est un secret, faut pas le dire. Putain, on a fou de vie, hein. La 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 la. Tu vas crever, hein? Oui. Ouh là. Putain de merde. T'inquiète pas, je connais ce jeu par cœur. Alors je vous explique, j'ai voulu faire un solo qui a fait ça. Putain, maintenant j'ai plus mon champion. Non, je vais me faire chier avec un champion, c'est pas grave, ça revient au moins. Bon, attendez. Bon, wow, wow. Mais toi, mais pourquoi? Pourquoi je suis maudit? Attends, allô. Ami, avec qui? Voilà. On récupère ça. Oh non! A chaque fois il peut la prendre d'une façon classe. Mais à chaque fois ça meurt en couille. Oh, y'avait de vie! Y'avait de vie! Oh, tu sais! Ah, elle est là. Et bah voilà! Un secret de plus résolu pour la team MV44. En fait, réellement, c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Fallait. Oui, c'est ce que je commence. C'est pas aujourd'hui qu'on tuera Lucas. Aïe. On finit le niveau. Ah, mais il restait en plus, ça, il était tout. Ouais! Il fallait apprendre d'une manière classe pour finir en beauté. Le niveau de la beauté. Le niveau de la beauté, de la beauté. Écoutez, ce let's play est vraiment détente. Je n'ai pas envie de me faire chier à être ça du cul et à faire. Bon, maintenant on va aller prendre cette étoile. Maintenant on va aller prendre la comète. C'est parfait. Voilà, c'est tout, allez, ça se commette, tu vois, les fantômes, ouais, ouais. Et maintenant, les... Ah non, merde, parce que tu vas nous faire tout un truc avec Mario. Ouais, les comètes! Ça, les comètes, c'est ma vengeance, parce que les comètes, j'ai tellement souffert des comètes. Toi aussi, t'as souffert des comètes, Sacha? Ouais. Moussaillon, la vigie a repéré une vigie. Ok. Moussaillon, la... Je crois qu'il a pas aimé que je me foute de lui. Moussaillon, la vigie a repéré... Non, en fait, je vous explique, je peux plus appuyer sur A. Bon, Moussaillon, la vigie a repéré une comète. Voilà. Grâce à elle, on va tous crever. Au revoir. Merci. Je me souviens, la première fois qu'on avait fait le jeu, la comète, elle était apparue dans le... Salut. Au revoir. La partie à sauvegarder. La première fois qu'on avait fait le jeu, la première c'était sur les bois. Ici. Ah oui, oui, non, sur ce. Oui, d'ailleurs, normalement, ça paraît là. Bon. Bah, oh. Voilà, ça apparaît là, c'est pas grave. Alors, ça c'est vraiment la comète qu'il faut que je réussisse du premier coup. Parce que c'était la comète, en fait, tout simplement, on a le plus galéré, je crois, dans tout le jeu. Enfin, qui m'a le plus hanté personnellement. Attends, juste dans Galaxy, vous pouvez. S'il y a une comète, vous êtes obligé de la faire. Parce que vraiment, le champ d'iris mêlé. Tu te rappelles, Sacha, comment on a galéré? Non, mais je me souviens très bien. Oh là 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 là. Oh, je me souviens qu'on avait réussi plein de comètes et tout, mais celle-ci, on n'y arrivait pas. C'était un truc de malade. Alors, on est parti. On s'accroche. On est parti. Alors, le truc, vous avez 60 secondes pour buter les 30 ennemis de cette map. Vu que c'est des iris, bien évidemment, il faut que vous soyez invincible. Sinon, vous crevez comme des merdes. N'est-ce pas? Et moi, je ne suis d'aucune utilité dans ce niveau, bien évidemment. Et Sacha ne va pas vraiment m'aider. Mais il va nous regarder, c'est déjà ça. Je veux pas me faire chier. Donc en plus. Tac, tac, 12. Toi tu crèves. Il va pas vite hein, quand même quand il est en Mario Arc-en-Ciel. Crève.
Ouais bah c'est pas qu'il va pas vite, c'est qu'il va à la même vitesse quoi. Quoi que non, il va un peu plus vite hein. Vous avez pas le droit à l'erreur dans ce niveau, c'est tout ça. D'accord. Le traumatisme. 22 sur 30. 24 sur 30. Ah putain, il en a un là. Et il serait temps que tu reprennes une étoile. Non. Ah oh, putain de merde. Adieu ma belle. Je saturerai à une seconde. Là il a eu le 1. T'as eu peur. Là il a eu le 1, là il a eu le 1. Non, si après je me souviens plus du timing. Bon voilà, du premier coup, on est content, c'est la fête. Et même je finis invincible, voilà. Donc voilà. Donc maintenant que les comètes, ça c'est cool parce que moi j'aime bien les comètes personnellement, à part certaines qui sont chiantes, mais c'est toujours sympathique de faire ces comètes. Donc là, normalement, on a fini cette petite galaxie à 100%. Enfin, 100%. 50% parce qu'il y a les étoiles vertes après. Et ben voilà. On continue sur notre lancée. Hop, bon, oui. On va continuer. Attendez, juste regarde un petit peu comment ça progresse. Au monde 1, ouais. Monde 2, d'accord. Et monde 3. Et bien, écoutez, on va enchaîner. Donc ça, normalement, vous avez le choix. Soit c'est Neil Yoshi qui apparaît en premier, ce que j'espère pas. Je me suis trompé de galaxie. Pas grave, on va récupérer ça et ça. Ouais, j'espère pour vous que c'est celle-ci qui arrive en première parce qu'elle est vraiment simple. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est. Ouais, c'est sûr que par rapport à l'autre. Ouais, parce que celle qu'on vient de faire, elle est pas non plus. Bon, elle est pas. Si vous avez bien le jeu en main, ça passe, mais c'est vrai que voilà. Que vous dans les nuages, alors là vous allez avoir des anti-Mario. Bon, je pense que vous connaissez quand même un minimum Mario Galaxy 2, hein. C'est bon des temps de découverte évidemment. C'est vrai que quelqu'un qui nous a posé la question, oui, est-ce que vous le faites en découverte? Dans ma tête ça fait damnation. Que dit-il? Enfer. Comment est-ce? Ah putain, ils ont le don de foutre une musique bien stressante en plus. Donc, je sais pas si on va essayer quand même d'aller dans l'ordre parce que je vois que là-bas on en a loupé une. Bon, en fait le principe c'est que vous devez ramasser ces merdes là. Oui, je suis pas passé loin. Pour faire apparaître ça, et normalement ils disparaissent hein. Ouais. Tac 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 tac. Et voilà, et après on est reparti pour la suite. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, oui c'est vrai, ça apparaît pour faire le wall jump. Wall jump. Tac tac. Ouais. Je pense pas qu'il faut m'en foutant des trous. Hein. On va quand même faire gaffe. Tac tac. Ouais, bon, pour l'instant, écoutez, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ah oui. Bon, vous voyez, c'est vraiment pas dur. Le niveau n'est vraiment pas dur, n'est-ce pas, Sacha? Je suis sûr que là-bas, il y a une plateforme qui se crée quand tu. Ouais. Non? C'est ça, ou quoi ça? Non, c'est quand tu te mets là. Ah oui. Donc voilà, le niveau est plutôt simple. Et ces plateformes-là, d'ailleurs, viennent de Super Mario Galaxy, hein. Mmh. Premier duo. Ouais, ouais. D'ailleurs, on avait un niveau bien chiant avec ça. Donc, vous avez fait un let's play, hein, là, oh là là, là, longtemps. C'était un de nos premiers let's play, hein, avec Bros You, Galaxy. On avait fait Bros You, Galaxy et Paper Mario Sticker Star au lancement de notre chaîne. Galaxy et Bros You ont été finis. Paper Mario Sticker Star n'a jamais été fini vu qu'on le faisait en coopération avec un mec qui s'est barré de YouTube. On continue cette toile. Ouais, vas-y, on continue. Ok, on continue. Tant qu'il y en a, autant les faire. Tant qu'il y en a, autant les faire. Comme ça, après, de toute façon, au bout d'un moment, on va plus en avoir. Comme ça, ils vont arrêter de nous bombarder. Mais là, on va répondre à leur missile. Non, non. Je me bourre jamais. Elle arrive. Cette comète, elle arrive plus loin dans l'aventure, j'ai un souvenir. Hein. Je crois qu'elle prend du temps avant d'arriver. Forage cosmique. Alors là, alors la différente type de comète. Alors dans Galaxy, comme quoi, il est différent, c'est bien. T'avais les comètes blanches, fallait pas que tu te fasses toucher, si mes souvenirs sont bons. Les violettes, c'était avec des pièces violettes, c'était hyper chiant les trucs violets. Et après, alors, les rouges, c'était un contre-la-montre, si mes souvenirs sont bons. Les comètes, il en manque une, je sais plus c'est quoi, les comètes noires. Comètes rouges, comètes blanches. Comètes jaunes, là, c'était les anti-Mario. Ouais. Ça, c'était les pas mal. Les blanches, c'était les Time, les rouges. Non, rouge, c'était Time, blanche, ouais. C'était sans se faire toucher. Enfin, bon, voilà, et là, donc, on est sur un truc où il faut pas se faire toucher, donc qui correspondra aux comètes blanches. Regardez votre jauge d'énergie. Mais bon, dans ce jeu, vous osez pas. Et d'ailleurs, aussi, petite différence, donc là, c'est la première différence par rapport aux comètes.
Alors je fais de la merde. Là une autre différence aussi par rapport à Galaxy. C'est que dans Galaxy, quand vous aviez une comète sur une galaxie, vous étiez obligé de faire la comète. Enfin, vous étiez obligé. Oui, c'est ce que vous pouviez. Ah, vous étiez pas obligé. Non, tu pouvais demander à un Luma de les faire partir. Oui, parce que sinon t'étais obligé. C'était pas que t'étais obligé. Tu pouvais faire d'autres trucs en attendant, mais tu pouvais pas faire dans la galaxie une autre étoile que la comète. C'est ça que ça voulait dire. C'est ça que ça voulait dire. Attention à lui. Voilà. Et donc voilà. Et là, dans Galaxy 2, non, ils ont enlevé ça aussi. Bon, parce que les comètes, des fois, c'était chiant. Hein. Quand tu voulais pas faire la comète parce qu'elle était, bah, on va dire, dure, bah, t'avais pas le choix, quoi. Ouais, comme ça, moi. Pourquoi on nous a renvoyé? Merde. J'aurais dû attendre. Bon, pas de panique, là, voilà. Voilà. On l'avait déjà vu, lui. On l'avait déjà vu, ce méchant pas beau. Il est mort. On a plus dur. Hein. Le sauce faire toucher de la dernière. Ah oui. De Galaxy des Virtuoses. Du trophée des Virtuoses pour le aussi. Ça, c'est le plus connu. Et hop, ça, c'est fini. C'est fini. Bon, je pense que là, on va rater les comètes. On va un petit peu quand même avancer dans les niveaux normaux. Bah, sauf si on rend des comètes. On va voir. 32. C'est terminé. Non, je pense qu'il y en a pas. Ah, si. Oh. Ah, celle-là, elle est chiante. Ah non, c'est sidéral. Ah oui, si, elle est chiante aussi. Je me souviens qu'on avait galéré aussi. On l'a fait maintenant ou on avance quand même un petit peu? Non, là, je suis en train de faire des comètes. Là, je suis du mur à faire des comètes. Ok, bah écoutez, si t'achètes les murs. Ah merde, bah non, ils avaient été sauvegardés. C'est ça que je voulais voir. Donc je voulais récupérer, tu sais, les... Ouais, j'ai compris, j'entends déjà. Alors oui, à noter que ça, on l'a pas précisé, mais différence par rapport aux comètes de Galaxy. Dans Galaxy, vous aviez pas de pièces comètes à ramasser, parce que tout simplement, on avait pas de pièces comètes. Là, il faut que vous ramassiez les pièces comètes pour faire venir les étoiles comètes dans le niveau. Ouais. Sinon, elles viennent pas, tout simplement. Donc, moi, j'aimais bien le système dans Galaxy avec rouge, jaune, enfin, je sais pas, je trouvais que c'était... Et t'en avais une autre? Non, c'était pas ça, c'était les bleus, c'était les anti-Mario, et les jaunes, c'était le time. C'était en ralenti, c'était un truc... Non, c'était un... Oui, si, c'était ça, la Galaxy était ralentie, et là, vous en avez plus dans ce... Non, accéléré. Accéléré, ouais, ou ralenti, je sais plus. Non, accéléré. Là, c'est tout, hein, c'est... Comète violette, plus comète time, plus... Oh, ce thème... Ouais, là c'est. Au pire, laisse celle que tu loues. Mais ça, t'en avais déjà dans. Ah non, parce que t'es obligé de te ramasser. Hein. Et là après. Non, mais après, je les prends. C'est super chaud. Ah oui. Parce que je m'ennuie un peu. Tac, il reste 30 secondes. Merde, là, vous voyez, j'ai fait une petite erreur parce que ça va être chaud de revenir là-bas. Ouais, c'est bon. Et après, vous faites un putain de nombre de. Et voilà. Je comprends pas pourquoi on galérait autant. Et donc voilà, et là vous pouvez vous faire un max de... Là c'est ce qu'on va se faire. De fragments. Enfin max, beaucoup quoi. 70. C'est pas rien. Et voilà. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Vous avez ramassé une toile. Bon. Est-ce qu'il va y avoir une autre comète? Ou est-ce que les défis comètes vont s'arrêter ici? C'est en fait 33. Galaxy terminé. 1636. Ah, encore une, bah dis donc. Alors, station stellaire. Oui, ça c'est un chronomètre. Ah, c'est chrono et vous avez même le boss, je crois. Ah non, oui. Oui, c'est avec des petits chronos. Ah oui, non, celle-ci aussi, elle est pas si simple que ça, station stellaire. Hein. Ouais. Station stellaire, elle a quand même du défi. Speeder le jeu, mais c'est là vraiment on est en train de speeder, c'est des trucs on les fait en 2 secondes, sauf si on fait des fails. Oui, mais des fois on fait exprès. Une explosion précipitée contre la montre. Ouais, bah non. Ouais, il est pas. C'est pas simple. Là, attention quand même là. Est-ce qu'on va faire un fail? Réponse dans un instant. Bon, je pense pas. Bon, déjà ici petit truc. Regardez ce qu'on va faire pour gagner du temps. J'espère que ça va pas nous en faire perdre. Non. Tac, alors vous perdez du temps là-dedans aussi, ça c'est chiant. Oui.
Ah, tu sais, dans le dernier, tu sais, dans le boss final, la comète du boss final, c'est un truc comme ça. Tu vois, et nous, on galérait, et puis à un moment, il y a eu un checkpoint. Ça, je suis sûr, on l'a déjà dit. Ça nous a marqué, ce checkpoint. Ah non, merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, comment t'es là-dessus? Tac, je m'en souviens. Oh, ben, t'as oublié, hein. C'est pas grave, t'inquiète. C'est le boss. Et sur le boss, on a plein. Bon, par contre, faut le speeder, quoi. C'est ça, le truc. Faut pas perdre de temps. Et là aussi, nuance par rapport à Galaxy, c'est que quand vous avez battu le boss, le chrono il s'arrête. Alors que dans Galaxy, premier du nom, vous aviez. Ah putain! Et donc, maintenant on va avoir quelques petits problèmes. Un petit chrono ici. Ah merde! Hop! 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 Comme ça, il va arrêter de nous faire chier. Par contre, on en a plus, alors on va un petit peu se presser. Ouais. Oula. J'espère que ça va être faisable. Tout est faisable. T'inquiète pas. Allez, fais ton truc. Voilà. Bon, le. Vous pouvez toujours faire la technique, vous savez. Non. Par contre, faut que tu tentes. Ah bon, bah ça va. J'ai pas trop bien compris pourquoi. Vas-y, voilà. Bon bah c'est bon. Non non, je crois qu'il s'arrête pas le time. Si, s'arrête. C'est dans Galaxy qui s'arrête pas le time. Du coup, des fois quand il te reste 5 secondes, faut que tu te précipites. Tout simplement. On va quand même récupérer un ou deux petits trucs. Tac. Les papillons, quand vous les tuez, hop, ils vous donnent des fréquences. Quel psychopathe, ce Sacha. Et donc voilà, on peut quitter la galaxie du bonheur. Tac, alors on a combien de minutes? 30 minutes. On a un peu le temps d'en refaire encore une ou deux. On a encore eu. Ça va. Je dirais deux. Deux étoiles et on s'arrête. Parce que vu qu'on nous envoie pas beaucoup de vidéos de Galaxy 2 quand même, faut qu'on avance dessus. Tac. Bah encore un. Encore une comète. Mine d'étoiles, c'est quoi? Ah oui, si, c'est le boss. Attends, c'est le boss. Non, c'est une mêlée. Oui, c'est sur le truc du boss, mais c'est une mêlée. Ok, bon, on en fait deux et après on va s'arrêter quand même. Donc là, vous dites, il nous reste plus que deux trucs à faire. Maintenant, on se rend au monde 2. Alors, là, voilà. Non. Là. On envoie. On fait tourner la sauce. Ce qui ne veut rien dire. Ok, on est parti sur la mêlée. Allez, vas-y. La lune des Krustina mêlée. Des Krustina, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est eux. Ok, c'est des crabes. Et d'ailleurs, notez que les bleus, quand vous les tuez, ça vous donne une vie. Alors, je sais plus si c'est dans Galaxy, si dans Galaxy 2 aussi. Dans Galaxy, je sais, mais dans Galaxy 2, je sais plus. Si, dans Galaxy 2, oui. Notez qu'il y a une vie là-dessous. Ah, ça, je m'en souviens pas. T'es sûr que tu vas avoir le temps? Parce que je suis sûr qu'on est juste en temps. Oui. Tout à fait. Bon, déjà, si tu prends pas le caillou. Mais il est là le caillou. Non. Ouais, mais en fait, tu vois, t'as fait un maxi détour pour rien. T'inquiète. Toi, ton rôle, c'est de ramasser les vies. C'est bon. Bon, en fait, le truc, c'est que quand ils sont bien assemblés comme ça, d'ailleurs, ça fait un peu laguer. Je sais pas si vous avez vu. Vas-y. Oh là, ils sont tous entassés. Ouais, ils sont au centre. Ouais, par là-bas. Ah, là, on a. Voilà. 26. Merde. Ah oui, non, c'est les derniers. C'est les derniers qui sont chiants parce que. Non, c'est foutu. C'est les derniers qui sont chiants parce qu'ils se. Ils se foutent dans une espèce d'axe bizarre. Ce qui fait que. Non, ce qui fait que limite. Oui, j'aurais pas pris la vie, c'était bon. Oui. Et là, va vers le bas, va pas vers le haut. Ah non, il est là. Voilà, tu vois. En fait, à la fin, limite, faut presque que je me fasse toucher volontairement. Comme ça, au moins, j'ai plus le truc de pierre et je peux les tuer normalement. Tac, ok. Ça compte les fleurs à tuer ou pas? Non. Attendez, parce que là je suis un peu de la merde.
Ah merde, à chaque fois je loupe le centre ou l'en a le plus. Ouais. Combien va, il m'en manque 10. Ah putain. Non. Ah c'est foutu. Ah il est chiant ce truc. Ça fait une espèce de roulis. Mais arrête. Ah merde. C'est les derniers qui sont chiants parce que si vous voulez, vu qu'ils sont répartis bizarrement, vous êtes obligés de rouler juste. Enfin je me comprends. Je sais que ce que je viens de dire ne voulait rien dire. Alors ceci ça a l'air. Oh, putain. Ça a lagué. Par là. C'est la concentration ultime pour réussir ce. Un peu de challenge. Oh, pas de chance. Ils étaient concentrés plus par là-bas. Ah oui, ce qu'ils sont, ils sont vers l'autre côté, j'ai l'impression. En plus, c'est guité. Oh non! Quelle erreur! Quelle erreur de Lucas! Ça va lui coûter cher, je suis sûr. Oh merde, ils sont pas dans le même. Oui, le dernier, il est là. Ouais. Et attention, est-ce que je peux la prendre direct? Qu'elle laisse tomber. Attends, on ramasse les vies. Je roule. Non, je le comme une couille. Ta gueule. Non, oh, merde, je me suis foiré comme. Ok, bon, non. On en fait une dernière. Allez, on en fait une dernière, on est fous, nous. Nous, on est des malades. On est fous, on est fous, on est fous, on est fous, on est fous. Plus on est nombreux, plus on est fous. Ouais, ouais, ça va, t'inquiète, mal. 35. Ok. Ouais, ah bah non, trop tard dans le jeu, hein. Ah putain, mais ouais, c'est trop tard dans le jeu qu'elle arrive. C'est ce que j'avais dit. Salut. Mon nom à moi, c'est Jessica. J'ai de l'aide pour toi. C'est d'harmonie. Le mât. Ouais, c'est d'harmonie. Tiens, comme je suis radine, je t'ai fait que 50. Ouais, je sais, c'est de la merde. Désolé. Au revoir. Ok, on se casse de là. Ici, nous en avons deux, comme vous pouvez le voir. Un plus un font deux. Et deux plus deux font quatre. Ah oui, il y a ça et la citadelle. D'alglic-clac. Ouais, la citadelle, c'est un. Sans se faire toucher. Ouais, Gargantulus. C'est sans faire. Non, c'est un time. Ah oui, un time. Pirouette et pièce violette. Alors, je sais plus si on doit tous les ramasser. Oui. Dans le doute, on va tous les ramasser. Et je crois que la musique est épique là-dedans. Ouais, c'est la musique qu'ils vont mettre pour les défis. Ah non. Ah, moi je suis utile. Hein, c'est la musique. Oui, parce que alors là, Sacha peut me ramasser les pièces violettes. Ce qui fait que. Bon bah voilà quoi. Ça a une certaine utilité. Voilà, voilà. Ouais, là tu les bloques. Hein. Surtout les lâches pas. Merde. Grosse merde. En fait, je vous explique, c'est parce que je voulais me dévier en même temps, puis bien évidemment, on ne peut pas. Enfin, je voulais secouer pour me dévier, mais je vous laisse deviner la tragique fin qui me serait arrivée si j'avais secoué, qui n'est pas loin d'être la même que si j'avais pas secoué. Tac, tac. Ah oui, là c'est mieux par contre. C'est comme ça, je peux. Hop. Oh. Ouais, bien sûr. Tac, vas-y, bloque-le maintenant, c'est bon. Merde, attends. Il en reste un là-bas. Okay. Ouais, parfait. Parfait. Et parce qu'en plus, vous êtes chronométrés. En plus du tout, là, ils ont pensé à tout pour vous faire souffrir. Ah oui, merde, c'est. Oula. Et c'est casual. Casual. Moi je suis en fou, j'y vais direct. Tantant si elle est épique cette musique. Ah putain, cette musique, ce thème.
Ce thème, putain de merde. Je me concentre même plus sur le jeu là, je me concentre sur la musique. Car la musique c'est le jeu. Et le jeu c'est la musique. Ok, 71, oui je suis un grand philosophe. J2, arrête les chompes. Les chompes, arrête J2. Je me dis ça après la phase des chompes, mais... Putain, faut dire pas quoi. Je vais bloquer. Non, je ne le bloque pas finalement. Alors ça j'aime bien, ça c'est très rageant quand ça fait ça. Là je viens de taper Sacha. Normalement c'est juste que ça me grattait et vu que ça a reconnaissance de mouvement, si je me gratte avec la Wiimote dans les mains. Alors là t'as un peu vénère si en fait il t'en manque une. Et ben voilà. C'est de la merde. Ouais. Enfin non, c'est pas de la merde. On est mort une fois quand même. Donc bon voilà, on va s'arrêter là-dessus. Sauf si c'est la Citadel Bowser, comme ça on finit le monde. Ah, mais vu que ce sera pas... Oh, j'ai tapé dans le micro, excusez-moi. Comme ça on aurait pu finir le monde 1, mais je pense pas qu'ils vont nous mettre là, si t'as des buzzer. Attention. Et non. Donc écoutez les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, et surtout je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Au revoir. Au revoir tout le monde.